travaille que avec des matières premières fraîches, donc forcément on va coller aux saisons. Effectivement, là, on est au mois d'avril, on est en pleine période de récolte de la fleur d'oranger qui permet d'avoir cette huile essentielle extraordinaire qu'on appelle le Neroli. Et aujourd'hui, on est justement dans ce verger pour assister à la récolte et à la distillation de cette eau florale, parce que pour nous, c'est très important d'être vraiment au plus près de nos fournisseurs et de nos matières premières. C'est là qu'on obtient la meilleure qualité de nos produits. Tiens, regarde comme c'est gorgé de fleurs. Regarde l'arbre. Il est tout plein, tout ouvert, tout plein de fleurs. Il faut dire qu'on est en pleine saison dans la région qui produit le meilleur Neroli. Il y a vraiment le microclimat qui donne cette qualité d'huile essentielle qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est la fleur du bigaradier, de l'oranger amer, toute belle, toute fraîche, qui vient d'éclore. Elle est magnifique. Victoire, vous la connaissez bien, la fleur. Vous êtes habituée. La fleur, pas tellement, mais c'est surtout l'odeur, en fait. Oui. Une odeur qui est merveilleuse et une odeur qui transporte. C'est juste un parfum ou ça a aussi des propriétés cosmétiques? En fait, toute oxydation ou toute réaction commence d'abord par une inflammation. D'accord. Et l'inflammation va entraîner tout le reste. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un anti-inflammatoire vraiment puissant. Donc voilà, il va permettre d'arrêter cette cascade, cette chaîne de réaction qui va mener à l'oxydation, à la peroxydation des lipides. L'apaisement qu'on ressent en le sentant, la peau le sent. Exactement. Quand on l'applique, c'est fou. Quand on l'applique. C'est une odeur qui fait exactement la même chose. Alors c'est aussi un antiseptique extraordinaire, antimicrobien, antiviral. Ça a des vertus, donc ça permet également de conserver le produit. L'eau florale d'oranger, donc elle est posée sur la peau, elle est rafraîchissante, elle est apaisante. D'ailleurs, on l'utilise dans notre eau de soin démaquillante pour ces vertus-là. Elle va serrer les pores, donc comme un tonique le matin, elle va enlever toutes ses impuretés. Et puis, elle est très équilibrante pour la peau, donc c'est un pH qui vraiment respecte bien le pH de la peau. Donc, elle est vraiment très appréciée pour ça. Aussi bon que belle.